pour la première fois sur cette chaîne, je vais travailler mes bras. Ce sera peut-être la dernière. Comme vous le savez, c'est un point fort chez moi que je ne dois pas développer au risque de perdre l'équilibre que j'ai plus ou moins trouvé entre mes pectoraux, mes épaules et mes bras. Ça fait longtemps que vous me demandez des exercices pour développer les bras. Aujourd'hui, je vais vous livrer les exercices que je trouve intéressants en mon sens pour développer ce muscle. Étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé mes bras, on va faire une prise de mensuration à froid et à chaud pour voir la différence. Allez, vas-y, suspend. Ok. 46. Tu penses qu'après après je serai à combien? Après le pump. 52. 52 ouais. Ah, t'es optimiste. Hein. 46, ça veut dire que j'ai perdu à peu près 1,5 cm depuis la dernière fois. On vous mettra la vidéo, vous allez voir, parce qu'on a déjà fait les prises de mensuration sur la chaîne. Petit rappel, si vous avez un biceps long, il sera très rempli comme le mien. En revanche, votre pic de biceps ne sera pas très important. Cela se verra surtout quand vous allez faire un double biceps de dos. Ça peut donner l'impression que vous avez un retard à ce niveau-là. Or, ce n'est pas le cas. Si vous avez un biceps court, votre pic de biceps sera important, mais il ne sera pas rempli comme ça peut être ici. C'est une variété génétique et l'entraînement ne pourra pas corriger cela. Premier exercice pour les biceps, on va faire un curl à la barre UZ, mais ce sera un exercice avec des techniques d'intensification. On saisit la barre. On fait 4 répétitions en exécution classique. 1, 2, 3 et 4. Et là, toujours dans la même série, on va faire 4 répétitions avec un tempo sur la phase concentrique et excentrique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et là, on part sur 4 répétitions en exécution classique. 1, 2, 3, 4. Et c'est pas fini. On va faire dans la même série de l'isométrique. On va tenir sa barre pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Première série, je suis déjà très très congestionné comme vous pouvez le voir. Pour cet exercice, vous pouvez en faire 3 ou 4 séries. C'est vraiment un très très bon exercice pour développer ses biceps. Et bien sûr, il faut choisir une charge adaptée parce que ça sert à rien de mettre lourd si vous ne maîtrisez pas votre mouvement. 2, 3, 4. Voilà. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. 1. 4. Ah, je manque d'endurance. Ça brûle, c'est normal parce que ça va faire 2 ans maintenant que j'ai pas travaillé les biceps. Je sens que demain, bouger mon bras, ça va être une épreuve. Pour le deuxième exercice, toujours pour les biceps, on va faire du curl à la barre, cette fois-ci avec différentes prises pour travailler un maximum de faisceaux du biceps. On commence, prise large, 5 répétitions. 1, 2, 3, 4. 5. Allez, on passe à la prise neutre. 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à la prise serrée. 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un très bon exercice. Vous pouvez faire 3 séries en fonction de votre niveau. Toujours choisir une charge adaptée pour avoir un mouvement impeccable. 3, 4, 5.
4 et 5. Ah, ça brûle. Et 5. Le dernier exercice concernant les biceps, nous allons faire du curl marteau pour mettre l'accent sur le biceps brachial et pour travailler les avant-bras. J'aime beaucoup cet exercice, surtout parce que il va me permettre de travailler mes avant-bras en plus du brachial. Même si pour le brachial, il existe d'autres mouvements intéressants, mais pour ce mouvement, son intérêt réside dans le fait qu'on va travailler les avant-bras. En tout cas, pour moi, c'est le cas parce que les avant-bras, je ne travaille jamais les avant-bras individuellement. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Précédemment, nous avons majoritairement travaillé la portion courte du triceps. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la portion longue. Et pour ce faire, on va faire de l'extension nuque à l'haltère. Encore une fois, en musculation, les meilleurs mouvements, c'est ceux que vous appréciez et c'est ceux qui sont adaptés à votre profil. Ce que je viens de vous montrer, c'est des mouvements que j'ai moi-même exécutés pour développer mes biceps et mes triceps. Mais il se pourrait que ces mouvements ne soient pas complètement adaptés à vous pour X raisons. Ça peut être tout simplement parce que vous n'appréciez pas ces mouvements. Dans ce cas, vous devez choisir des variantes qui sont plus adaptées à votre profil. Maintenant que l'entraînement est terminé, nous allons faire une prise de mensuration, cette fois-ci à chaud, pour voir la différence qu'il y a entre les mensurations à froid et à chaud. Et j'ai vraiment limité le nombre de répétitions et de séries sur cet entraînement pour pas trop travailler mes bras. Vous connaissez déjà mon problème. Combien ? 48. À froid, on était à 46 et à chaud, nous sommes à 48. C'est une excellente nouvelle parce que j'ai vraiment régressé au niveau des bras. Donc, on va faire une prise de contrôle. Hein. Tu vois. Voilà. 50. Donc, il s'est bel et bien trompé. J'ai un 50 cm. Il y a bel et bien 50 cm et non 48. Ça veut dire qu'il s'est trompé. Direct sur la première prise. Hein. Sur la première prise, mais aussi sur la deuxième. Donc, y a une grosse différence de centimètres là. Mais on va partir du principe que j'ai perdu. Ouais, on va dire que t'as perdu. Que c'est plus cohérent, etc. Ouais.